what's up, c'est votre boy Stack Bone, aka Chaise, qui Black Samurai. On est back encore pour une autre histoire, let's go. Yo, je suis là pour vous parler de l'émission qui a commencé cette année, Big Brother. Et moi au début j'étais comme, oh ok, c'est quoi l'émission, je savais que ça existait apparemment. Et j'ai vu qu'il devait avoir Jean-Pascal. Et je suis comme, ok, je suis hype là, ok. Jean-Pascal, the champion is here. Puis là la première journée je vois, il est pas là, ils ont dit qu'il a pas pu, qu'ils ont personnage comme gars. Qu'est-ce qui se passe? Puis maintenant je me dis, ok, Jean-Pascal a bien fait de parvenir. L'émission est whack! L'émission est whack, mon gars, c'est dégueulasse! Ah, c'est dégueulasse! Abruti, vous pouvez donc rien faire de propre! Ok, peut-être pas aussi dégueulasse que ça, mais c'est juste que je suis comme, ah, je m'attendais à quelque chose de plus. Puis là, je suis comme, je sais pas, tu sais, je suis pas trop vraiment. Il y a Marie-Mé, l'animatrice, chante à elle, j'aime bien, elle fait ses affaires et tout. Je trouve qu'il manque un peu de piquant, les événements. Et aussi, no disrespect aux participants. Bon, il y a trop de vieux, il y a trop de personnes vieux là-dedans. Tout le monde là-dedans sont dans les cinquantaines ou quoi, comme. Je comprends pas. Ils ont pas pu prendre des célébrités plus jeunes. Évidemment, il y a quelques-uns comme la fille Camille qui est là. Il y a le gars Kevin qui est un gars qui a fait beaucoup de choses comme OD et tout. Il y en a d'autres, quelques-uns ici et là. Ok, il peut toujours avoir un mélange d'âge, c'est sûr. Il faut avoir un mélange d'âge. Mais j'aurais voulu que la balance va plus vers le côté un peu plus de jeunes, tu comprends? J'ai eu aussi une idée. Je me suis dit quelque chose qui pu mettre plus de hype. Pourquoi pas, il n'y aurait pas des rappeurs à Big Brother? Ça serait hard. J'aurais vu les gars comme Coria, j'aurais vu Fouki, j'aurais vu Enima, j'aurais vu Los, j'aurais vu Sarah May. Ça aurait été comme un autre vat. Oh, les gars, ils vont faire des affaires bizarres. Ils vont parler de telle affaire. Ils vont dire, oh, la fille a pris telle fille, le gars a pris telle. Wow, qu'est-ce qui se passe? Des bifs bizarres. À chaque jour, tu serais comme, oh, qu'est-ce qui va se passer demain? Oh, est-ce qu'Enima va pip une fille là-bas? Est-ce qu'il va y avoir un concours de MC, le meilleur MC de la maison? Mais yo, ça aurait été fou, ça aurait peut-être donné une autre ambiance, you know? Puis on peut pas vous mentir, là. J'ai demandé ça à d'autres personnes, là. Ils m'ont dit, ah non, nous, on regarde pas Big Brother. Nous, là, non, c'est pas bon. Il y en a qui ont même dit, à cause qu'ils ont commencé à regarder Big Brother, ils sont comme, ah, c'est pas si bon, mais ils vont continuer parce qu'ils ont commencé. Puis je dis, ah, yo, bro, arrête, là. Si c'est pas bon, arrête de regarder. Pourquoi tu regardes autant? Mais pourquoi tu regardes l'auto? Je comprends pas. Mais pour moi, c'est ça. Peut-être que dans les semaines à venir après, ça va être mieux. Mais pour le moment, je suis désolé. Je n'aime pas cette affaire-là. We out. Sur ce, ça, mais merci d'avoir écouté ma vidéo. C'est votre boy, Stack Bone. Petite vidéo que je me suis dit de faire juste pour donner mon opinion comme ça, man. Subscribe à toi à ma chaîne pour avoir plus de contenu. On se voit pour la prochaine fois. We out. Peace.